aussi, c'est les nouvelles activités de tendance. Que se cache derrière NIA? D'abord, une histoire. Tout démarre au début des années 80 en Californie avec Carlos et Debbie Rosas qui sont professeurs de sport, professeurs de fitness et qui trouvent que le fitness a atteint un peu ses limites, notamment dans son impact négatif sur le corps à long terme et à haute dose, notamment au niveau des articulations. Donc, ils veulent avoir une nouvelle approche. Mais ils se disent qu'il va falloir mélanger plusieurs disciplines. Donc, ils vont commencer à chercher plein de disciplines différentes qui n'ont pas un impact négatif sur le corps, qui permet de se défouler en prenant du plaisir. Donc le NIA est né, le Non Impact Aerobic, en opposition au LIA, le Low Impact. Tu dors en fait. Non, vous allez voir. Non, vous dormez surtout pas, c'est absolument génial. Donc le Low Impact Aerobic et le High Impact Aerobic, le HIA, c'est en opposition. Après quelques années, pour marquer sa différence avec les disciplines classiques de fitness, eh bien le NIA est rebaptisé, toujours en gardant les mêmes initiales, par le Now I Am. Maintenant, je suis, et vous allez voir pourquoi. Alors, il y a un mélange de 9 disciplines différentes à l'intérieur du NIA. 3 disciplines de prise de conscience corporelle, avec le yoga, la méthode Feldenkrais et la méthode Alexander. Ce sont des méthodes de prise de conscience corporelle par le mouvement. Donc, en enlevant les parasites pour la méthode Feldenkrais et en incluant le port de la tête et le positionnement de la tête dans tous les mouvements au niveau de... Ben, parce que, en fait, quand vous faites des mouvements, il y a plein de mouvements parasites qui viennent parasiter justement vos mouvements. Donc on va mettre toute son énergie dans un mouvement et un mouvement qui est bien précis. Donc voilà, ça c'est de la prise de conscience corporelle. Ensuite, vous avez 3 disciplines d'arts martiaux avec le taekwondo, le tai chi chuan et l'aïkido. Et 3 disciplines de danse avec le moderne, le jazz et la danse Isadora Duncan. Isadora Duncan, en fait, c'est un peu les danses d'enfants. C'est-à-dire que vous êtes en connexion directe avec vos sensations internes et puis vous allez le transformer en mouvement dansé. Vous voulez voir ce que ça donne en image? On va voir ce que ça donne en image tout de suite. Voilà, donc je suis allé. Donc on est donc en musique, évidemment, hein, tout simplement. Et vous voyez là, on est sur la respiration au départ, tranquillement. C'est birdie ton truc. Pardon? C'est birdie ton truc où tu te mets à... Non, alors justement, on laisse... Alors même si les chorégraphies sont préétablies avant, ça laisse une large part à l'expression corporelle. On bouge en avant, on est sur la respiration. Il y a vraiment donc des mouvements dansés, des mouvements de respiration, donc de prise de conscience corporelle. Vous voyez, vous tournez, vous êtes en rotation, vous tournez à droite, à gauche, vous avancez, vous reculez. Donc au départ, effectivement, on est tous dans la même chorégraphie. Et puis petit à petit, on va se lâcher. Tout ça, c'est pour la préparation. Ensuite, c'est des danses. Voilà, vous êtes un peu plus sur la danse qui insiste sur le mouvement de coordination. Hein, avec c'est toujours c'est compliqué des... pour vous. Non, justement, non. Débutant ou confirmé, eh bien évidemment, comme je suis débutant, les mouvements ne sont pas si compliqués que ça. Vous voyez, là, vous avez des mouvements de danse combinés avec des mouvements d'arts martiaux, avec des coups de pied, des coups de poing. Donc, franchement, c'est pas si compliqué que ça. Au niveau des mouvements, évidemment, plus vous êtes confirmé, plus vos mouvements sont précis. Donc, avec ces fameuses méthodes Feldenkrais, Alexander et autres. Puis, on passe au sol tranquillement. On va faire les abdos. Enfin, tout ça, c'est quand même faire du fitness, mais sans se faire mal, en prenant, sans avoir les à-coups, en prenant vraiment, vous voyez, les changements de position tranquillement. Et ensuite, on termine par des étirements d'abord au sol. Puis ensuite, on se lève. Mais c'est vraiment tout en douceur, en musique. Et au fur et à mesure, on se lâche vraiment dans le cours. Il y a même un moment dans le cours, vous allez dans tous les sens, vous allez dans tous les sens et vous faites les mouvements au rythme de la musique. Franchement, je suis sorti de ce cours-là. Déjà dans le cours, il y a une énergie positive qui est absolument incroyable. Tous les gens ont le sourire. Ils ont vraiment de l'énergie. Et le fait d'avoir pris 9 disciplines différentes, d'avoir pris le meilleur de ces 9 disciplines pour en faire un cours et tout intégrer à l'intérieur, moi je trouve que c'est. Je suis sorti de là, j'avais cette énergie-là. J'avais une bonne énergie. Et je trouve que c'est bien. C'est 10 euros. Alors, ouais, non, c'est un peu cher puisque c'est une activité tendance. Hein, c'est pas 10 euros, c'est 13 euros la séance. Non, mais en fait, c'est une activité qui fait de plus en plus d'adeptes. Aujourd'hui, ça existe dans 31 pays. C'est parti donc des États-Unis, de la Californie. Et puis aujourd'hui, ça existe dans 31 pays et ça existe en France depuis début 2005. Donc vous n'avez pas fini d'en entendre parler, toutes les informations. Sur le NIA. Le Now I Am. Maintenant, je suis, je me lâche et j'y vais. Ouais, c'est le côté un petit peu développement personnel. Ouais, exactement. On se recentre sur soi. Tout en faisant un peu de sport. En tout cas, parce que vous avez parlé d'Isadora Duncan.